Beaucoup de bonheur, hein, on a gagné. Surtout contre la bête noire d'Épinal, donc ça s'est bien passé, je trouve, ensemble. Un match très intense, très physique, voilà, et une très grosse équipe en face aussi, mais on était au-dessus ce soir. Il a fallu être patient quand même, hein, parce que vous auriez mérité d'effleurer la marque dans le premier tiers. Hein. C'est vrai que dans les cinq premières minutes, allez, on va dire le premier tiers, ça s'est un peu mal passé. Mais si on fait la globalité du match, on est au-dessus. Angers a craqué dans le troisième tiers et nous, on a su être opportunistes à ce moment-là. Donc le score reflète le match, je pense. Est-ce que le but de Susange dans le deuxième tiers soulage un petit peu tout le monde? Est-ce que c'est le déclic? Je pense que c'est le déclic, ouais. C'était très 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 serré et puis il a libéré tout le monde, quoi. Et après on a su. Nous avons mis le tempo du match. C'est peut-être au premier tiers on a un peu subi, mais après c'est nous qui avons les commandes du match. Et voilà, on a joué notre jeu du début à la fin, ça a patiné, ça a frappé. On a appliqué toutes les consignes du coach et dans l'ensemble c'était vraiment pas mal. Bon, les sensations étaient là. Est-ce que tu sens qu'il y a vraiment du mieux? Bah moi je trouve, je sais pas ce que ça donne des tribunes, mais au niveau du jeu je pense qu'on est mieux qu'il y a quelques matchs. Dans l'ensemble on est tous bons, on a une petite méforme, on va dire il y a 2-3 matchs. Et là je vois qu'on remonte très très fort. Et au niveau du match on était physiquement, on avait encore l'énergie à la fin, on voyait que ça patinait. Et voilà, c'était bien pour nous. Bon, Dijon, Angers, maintenant Gap, heureusement qu'il y a un vrai groupe pour apporter un petit peu à cette équipe, quoi. Ouais, là on a deux grands matchs qui arrivent, et on espère continuer la série, Gap mardi et Bordeaux samedi. Donc il faut continuer là-dessus, continuer à travailler, bien se reposer, bien manger, enfin tous les petits détails et on va continuer encore à travailler fort pour accueillir Gap mardi. Qu'est-ce que ça vaut, ça patine Gap, quelles sont un petit peu les forces de cette équipe-là? Très bonne équipe, on connaît le tacticien Luciano Basi là, il est bon là-dedans, une équipe très jeune mais très complémentaire aussi à la fois. Je pense que ça va être un gros match de la part des deux équipes et on va tout donner pour le gagner.